And who can move like this? Let me see what I can do right quick. My people were made and who's like this? Boy, fly niggas ain't that how I move. The whole world following. À l'espace Éthique et Patoc. Je suis encore avec une amie. Bonjour Méda. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de qui tu es? Je suis présidente d'association, mais surtout, j'ai toujours l'art dans le sang, puisque mes enfants sont artistes. Il y a très longtemps que je connais Almaine. On s'est rencontrés plusieurs fois, j'ai été à ses expositions, mais comme je suis maintenant sur le Sénégal, on s'est séparés. Il y a d'amitié est restée, donc dès que je suis sur Paris, je viens la voir. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce que tu fais au Sénégal? Parce que tu es toujours dans l'art et de la culture. Je suis toujours dans l'art et de la culture parce que j'ai une association qui s'appelle ADK. Mon fils est un peintre et musicien, donc je parraine indirectement pour qu'il puisse avoir des contacts sur le Sénégal. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes réalisations au Sénégal? Avec qui tu as collaboré et pourquoi? Avec beaucoup de monde, avec aussi Vieille Soudour, Babama. On a l'intention de créer au Sénégal la maison de la diaspora. Quand on parle de diaspora, c'est nous, descendants d'esclaves, et non pas les expatriés. Donc on voudrait créer sur le Sénégal de façon à pouvoir avoir un lieu de rencontre. Bon, on a assez vrai Gorée, mais il y a sûrement d'autres choses à faire. Alors tu disais que tu connais mes vêtements. Qu'est-ce que tu aimes dans mes vêtements? La fluidité. Ah, la fluidité. Et pourquoi est-ce que tu aimes la fluidité? Parce que, vu ma corpulence, j'aime tout ce qui est fluide. C'est vrai que moi, j'habite toutes les femmes. Surtout les rondes, parce qu'en fin de compte, ce que j'aime dans les vêtements, c'est exactement ce que tu dis. C'est qu'elles se sentent bien dans les vêtements et qu'elles aient une certaine fluidité, parce qu'il faut se bouger, il ne faut pas que les vêtements soient des carcans. Donc, j'utilise beaucoup de matériel souple et je suppose que c'est ce que tu aimes. Voilà. Parler des bijoux, madame. Des bijoux. Allez, je te laisse parler des bijoux. Donc, ces créations de bijoux sont très originales. Et j'ai apprécié tout ce qu'elle fait. C'est très gentil. Là, tu as collaboré sur des biennales au Sénégal, n'est-ce pas? Voilà, je participe à la Biennale des Arts Contemporains. Bienvenue à la Biennale de Dakar. En rendez-vous l'Afrique avec les arts. Il y a beaucoup d'artistes que je fais venir de France quand je peux financièrement. Là, j'espère faire venir à la prochaine Biennale notre grande amie pour défiler. Je te prends au mot. Tu viens de dire une chose. Tu penses m'inviter à Dakar? Oui. Ah, écoutez, ça, vraiment, ce serait avec grand plaisir. Voilà, on finit avec ce projet, chère Méda. Oui. Devant tout le monde, devant Éthique et Patoc, tu as promis à l'espace Éthique et Patoc qu'on se retrouverait à Dakar. Si Dieu le veut. Ben Dieu le voudra, parce que Dieu veut toujours des belles choses. Voilà. Alors, chère amie. Mais on va travailler dessus dès maintenant. On travaille dessus dès maintenant, a-t-elle dit. À moins le problème. À moins le problème, comme on dit au Sénégal. Donc, à bientôt. À bientôt. Allez, merci. Au plaisir et merci d'être venue. C'était un réel plaisir de te retrouver ici à Paris. Bonjour, je m'appelle Maximilien Didonou. J'ai commencé avec les produits cosmétiques. Le monde me connaît sous cette étiquette, avec des marques que j'ai créées. J'ai connu Almaine dans le milieu de la mode. En organisant des expositions. Vu ce qu'elle fait, je lui ai fait appel il y a une vingtaine d'années. Donc, elle est venue me faire des défilés. Sans la flatter, c'est une grande dame qui a des doigts de fée, comme on dit, dans le milieu. Parce que ce qu'elle fait, ça sort vraiment de l'ordinaire. Quand elle présente ses défilés, ça ne ressemble pas aux autres défilés. Et même le choix des mannequins. Elle a un chic pour nous sortir des mannequins de 2 mètres de taille. Et c'est avec des bijoux, je crois que ça doit être elle-même qui les fait sur mesure
parce que ces bijoux ne ressemblent pas aux bijoux classiques. Voilà. Bravo pour ce qu'elle fait, ça doit être inné en elle, elle doit être née avec. Parce que chacun a sa destinée, elle le fait bien, ce qu'elle fait depuis que je la connais, elle a toujours excellé dans ce métier. Raison pour laquelle j'ai été la chercher pour coiffer mon côté défilé, mode, au niveau du salon La Fia. Je la félicite, bravo pour tout ce qu'elle fait et bravo pour tout ce qu'elle fait pour le continent. Je sais qu'elle a une boîte de communication, je sais qu'elle a un espace de formation. Je ne sais pas comment elle fait de ses journées, comment elle les comble parce que ça fait trop pour 24 heures. Je ne sais pas comment elle s'en sort. L'Afrique, la salue. Je crois que si j'ai un vie à décerner, ce sera elle qui aura le trophée pour ce qu'elle fait depuis ces temps. Merci Alain pour ce que tu fais.